abonne-toi, ça vaut mieux pour toi. Salut à tous, c'est Sigone. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Days Gone. Et on était retourné dans notre base pour voir si Boozer allait bien. Et il dort. Il dort, mais il a mal, hein, vu comment il tremble. Ah ouais, là, on peut récupérer aussi matériel et tout. Ah ouais. Carreau pour l'arbalète, c'est vrai que je l'utilise presque pas. Pas trop fan. On va récupérer la moto. Et on va aller. Bah, on va faire ce truc là. Hop là. C'est parti. On va rendre le personnage un peu plus puissant. On y va tranquille. Ah mais le moteur, hein, ça marche déjà mieux. C'est déjà plus sympathique de rouler avec. Hein. La bonne reprise. Là devant, ça va déjà. En fait. Ah, il y a des loups. Dick, bonsoir. Boozer, pourquoi t'es pas au pieu, bordel? J'arrivais pas à dormir. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Dans le tunnel. Va pas là-bas, Dick. Ça te fait perdre les pédales. Boozer, écoute. Je vais là-bas juste parce qu'il y a des mutants, c'est tout. Que je les tue ici ou là-bas, la prime sera la même. C'est tout ce qui compte pour moi. Et les tulipes, c'est pour les mutants aussi? Je les ai vus, Dick. Sur la table, ce matin. Les mêmes qu'à votre mariage. Je m'en souviens, tu sais. Je vais pas... Non. Écoute, Boozer, repose-toi, faut que j'y aille. Terminé. Et c'est pas des tulipes, Boozer, c'est du sédum. Rien à voir. Une fosse commune. Pourquoi ils ont foutu ça ici, déjà? Ah oui, parce qu'ils sont cons. Il y a du monde là-bas dans les... Il y a des zombies dans les wagons. C'est pas une bêtise ce que je fais. Comment je fais pour entrer là-dedans? Ça se voit pas. Ah. Ok. Bah, on pousse sur ça. Un accès au toit. J'espère que ça fera pas trop de bruit quoi. Ça fait un énorme boum. Attends, tous les zombies qui viennent. J'aurais l'air fin. Bon. Au moins on se marre. Ça marche pas. Pas encore assez prêt. Oh là là, oh là là. Okay. Un haut-parleur. Non, ça s'en est pas un. Qu'il y en a un là-bas à chaque fois. On va voir, on va vérifier pour être sûr. On fait une bêtise. Non, il a déjà été enlevé. Et... Il faudrait qu'on trouve l'endroit où on peut mettre l'essence et allumer le générateur. Quoi.
C'est où ça? Vers là, non. Je ne sais pas trop m'approcher du... Enfin... J'essaie de pas foutre le zbeul, comme on dit. Est-ce que tu arrives à sauter avec le... Non, ok. Pas faut vraiment être tout prêt quoi ou non, ça c'est un peu mal fait hein. C'est abusé. Bon attends, on va déjà jeter ça comme ça. Ok, bon, non ça c'est vraiment mal fait ça. Reprends le bidon. Ah, t'en avais bien besoin. Maintenant, si je l'allume, est-ce que ça va faire du bruit? Voilà. Allez, on tente. Voilà, on est sur la bonne voie. Merde, ça va remonter tous les mutants à la ronde. On va se soigner. On peut récupérer ça. On est à 100%. Le micro-enregistreur. Chef, on a un problème. On a beaucoup de problèmes, soldat. Duquel vous parlez? Il y a un autre train qui va arriver. Faites reculer ces gens. Allez, allez, appelez le QG, on a plus de place. J'avais garé où la moto? On va utiliser le cocktail endurance. Camion qui explose. Ah non, ça va pas être possible. Faut que je règle que le bouton il reste appuyé en fait. En fait c'est activer des appuis. C'est celui-là qui fout la merde. J'aimerais bien récupérer la moto en fait. J'aurais pas le temps là. Bon, on va refaire un petit tour. Yeah.
on va. Un peu de silence. Non, je ne sais pas combien, quoi. Et je vois plus de trucs explosifs. Des trucs de fou. C'est un truc de malade. C'est une bonne idée, ça, de creuser des fosses communes pour balancer tous ces cadavres. On tente le... Oh, ils suivent encore. Ce que je vais faire ça. Pensez à surveiller la jauge de durabilité. Okay, okay. Ah, faut que je change ça absolument. Ok. Je n'ai plus de soins, je n'ai plus d'armes de mêlée. Cette fois-ci, ça a marché du premier coup. On revient récupérer tout ce qu'on a zappé. On craft encore un molotov, voilà. Voilà. Il est costaud le jeu. Enfin, franchement, je vous le dis. Hein. Il est costaud. Et du coup, je peux quand même avoir ma... La seringue que j'avais récupérée, là, j'avais même pas eu le temps. C'est pour ça qu'on était venu à la base. Requiert la compétence tir concentré, endurance, santé. On va augmenter la santé cette fois-ci. C'est vrai que l'endurance, ça m'en manque souvent.
Mais si on peut juste encaisser un ou deux hits supplémentaires, de toute façon. Ce serait pas mal aussi. Ok. Donc là, on a tout récupéré. Ça, c'est quoi? Ok, la moto, elle est là. Rendez-vous au mémorial de Sarah. Qu'est-ce que t'as fait? Ça, c'est la mission que je dois faire. Ok, bon, on va se rendre au mémorial. On va essayer de partir d'ici discrètement. Bon, je... C'est une arme de mille, absolument. Mais ils sont mauvais, putain. Mission. Absolument que je retrouve une arme de mêlée. Hein. Mais là au couteau ça va pas être possible. Là au couteau ça va pas être possible. Oh putain. Allez, on part d'ici. Ah ouais, c'est la galère. Je suis franchement pas déçu du jeu. Tout est bien dosé quoi. La difficulté, la galère des munitions. Ouais. N'est pas non plus punitif quoi. C'est. Ça craint ça un peu, non? On va faire une petite sauvegarde rapide. On va juste fouiller un peu les alentours. Comme je dois récupérer du matériel. Voilà, par exemple ça. Il faut du matériel. Pourquoi nous? Un objet rare là au fond, non même pas. On va vite fait encore fouiller ce véhicule. On met des matériaux, ça on a. Je sais plus exactement ce que je cherchais. Des munitions. Ah oui, une arme de mêlée. Putain, désolé. En 10 secondes j'ai oublié quoi. C'est tellement flippant, on va dire. Ah là, il y en a une. Oh là 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 là. Moi, je la pousse jusqu'au bout. Faut bien laisser. Alors, arme de mêlée, tu es où? J'aurais pu la réparer, je pensais que je l'avais plus sur moi. Bon, c'est pas grave. On
peut pas avoir les deux sur soi, qu'on en ait toujours une de secours. Non. Ok. Mais en tout cas, je sais maintenant que il la jette pas l'arme. Faut qu'elle est déglinguée. Ça c'est plutôt cool. Fais attention au recyclage. Et du coup là, les ferrailles, j'aurais pu tous les prendre. Vous savez quoi, on va fouiller un peu. D'accord. À la limite de 10. Achète. Moi, je pense pas qu'on peut mettre des clous dessus. Il y avait aussi les points de compétence. Est-ce que j'en ai déverrouillé un? Je ne sais plus. Injustoire. Points de compétence. Ouais, ouais. Capacité à effectuer des combos plus loin avec des armes de mêlée. Voilà. Ça nous ouvre le troisième niveau. Donne nos armes de mêlée une chance d'asséner une attaque critique sur les humains, les grouilleurs et les têtards. Capacité de faire une roulade rapide pour se rétablir dans le renversement. C'est sympa aussi. De toute façon, je vais remplir ça. Parce que j'ai remarqué que vaut mieux être discret et faire des combats de mêlée. Parce que les ressources, ça revient tout de suite cher, quoi. On a un peu sauvé. On a un peu fouillé. Encore. On va se garer là. Ça, si on pousse le véhicule. Personne derrière, personne devant. Ah, ah, désolé, j'ai pas fait attention. On se reconcentre. Parce qu'en fait, dans le... Elle commence à arracher la moto, là, faut faire attention quand vous voulez. On va laisser traîner cette fois. Là, ça, c'est un camp du Nero que je pète plus tard. Je reviendrai sur mes pas. Une zone de nidification. Il faut que je la détruise. Il faut que je nettoie la zone des grouilleurs. Je me suis dit là, ça craint un peu. Ah, c'est classe là, petit village. Ne vous inquiétez pas, je repasserai plus tard pour finir de vous cramer. On en a dans une zone moins forêt, plus désertique. Ah, si là j'aurais pris le virage correctement, il m'aurait sauté dessus. Un clan de renégats, bande de connards. Vous pensez pouvoir me tendre une embuscade et vous en tirer? Voilà, j'ai tapé le loup en utilisant la nitro, quoi. Ce coup-là, il a quand même dû la sentir passer, quoi. Ça commence à être du Colin McTeder.
N'empêche, c'est vraiment sympa de la combien. On peut faire des bons trucs avec. Ouais, ils ont géré la conduite. Hop. Ouh. C'est encore là. Combien d'années il faudra pour que tout ça disparaisse enfin? Voilà, je vais m'arrêter là, 100 mètres. Tu parles, vous en seriez mieux sorti dans le Mansla. Le Nero vous a laissé dans la merde. Ok, je vais sauvegarder ici. Voilà. Puis on se retrouve ici à la fin de l'épisode. Merci à ceux qui ont suivi l'épisode. Puis un petit like, un petit abonnement. Si ça t'a plu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à partager. Et sur ce, moi je te dis allez, au prochain épisode. Allez, tchou, moi je me casse.